is Ivana Modena. I'm the founder of the Sustainability Management School, and I'm so pleased that we organized this important conference with the Chamber of Commerce of Canton Vaud. J'ai le grand plaisir de vous accueillir au nom de l'école SUMAS, Sustainability Management School, et de vous souhaiter un cordial bienvenue pour cette conférence organisée en collaboration avec la CDCI. Je suis très honorée que la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie ait choisi d'organiser cette conférence chez SUMAS, ici à Blanc, et je les remercie vivement. Je suis très heureuse et je remercie infiniment la conseillère d'État, Madame Jacqueline De Quattro, qui a accepté notre invitation et nous honore de sa présence. Des remerciements également à Madame Elodie Bisler de la CDCI, ainsi qu'aux entreprises et aux orateurs. Madame Chiara Rinaldi, Ernst & Young, merci. Monsieur Jean-Christophe Carrette de IMI Hydronic Engineering. Monsieur Laurent Dietrich de Manage Eco. Madame Isabelle Gaival-Borchum de Nespresso. Et Monsieur Stefan Algren de Tire Recycling Solutions. Permettez-moi de vous présenter en quelques mots SUMAS. SUMAS Sustainability Management School est une école supérieure de commerce que j'ai fondée en 2012. Nous dispensons des cours en anglais qui permettent de réaliser les cursus de bachelor, de master et de doctorat de recherche dans les nombreux domaines, dans l'administration, le tourisme, la conservation de la nature. Notre école propose des programmes qui sont différents des programmes traditionnels, car notre enseignement est axé sur une vision du développement durable. Nous mettons également un focus important pour favoriser un cursus dans un réseau professionnel et entrepreneurial. Nos professeurs sont au bénéfice d'une formation académique supérieure ou issus du monde professionnel et fortement impliqués dans l'économie et le développement durable. Durant leur formation, les étudiants participent à des projets en collaboration avec les managers des entreprises pour être en lien direct avec le monde professionnel. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter la conférence et je me réjouis de vous retrouver à l'issue de la conférence pour partager un moment convivial durant l'apéritif. Merci. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, I'm very happy to see so many of you tonight for this event and to address today's topic, which is very close to my heart. First of all, I just would like to mention that today's event is going to be bilingual. So some presentations will be in English and others in French. So at the end, you're free to ask your questions in English or in French, of course. As Mrs. Modena mentioned, today's event is organized in collaboration, so CBCI and SUMAS. So I also would like to thank Mr. Modena for the collaboration. And I also take the opportunity to thank all our different partners. So the CBCI works closely with the Canton Vaud and with the DEF, Développement Économique du Canton de Vaud. And also I would like to thank our sponsors, Credit Suisse, EY and Renews. So thank you very much again and I'm happy now to hand it over to Mrs. De Quattro. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir la conférence de ce soir sur un thème qui nous interpelle tous. La durabilité, un déclencheur de l'innovation, ce sont des thèmes qui, plus que jamais, interpellent à la fois le monde politique, le monde économique et aussi, et je m'en réjouis, le monde académique. J'ai le plaisir de vous transmettre les salutations cordiales du Conseil d'État vaudois. Je commencerai par remercier les organisatrices et organisateurs de cette conférence qui vont permettre des échanges que je sais d'ores et déjà très constructifs et passionnants. Mesdames et messieurs, si notre pays est aujourd'hui l'un des États les plus prospères de la planète, et si le canton de Vaud peut se targuer d'être un des moteurs de croissance non seulement de la Suisse romande, mais de la Suisse toute entière, c'est grâce à notre capacité d'innover, d'anticiper et de réaliser. Et si la Suisse, comme notre canton, veulent rester dans le peloton de tête des industries du savoir, eh bien, la recherche et le développement technologique doivent rester notre priorité.
Ladies and gentlemen, sustainable development occupies an important place in the legislative program of the Vaud State Council. Particularly from the point of view of stabilizing public finances, of course, and the promotion of public transportation, but not only. The same determination can be found in the establishment of an innovative, responsible policy concerning the environment, energy, or land planning, all areas of which I am in charge in my department. Allow me to demonstrate how in my department sustainability is a trigger for innovation. Prenons par exemple la transition énergétique. Une décision politique courageuse suite à une catastrophe internationale qui nous pousse à l'excellence et qui nous pousse par l'innovation et en faisant appel à notre capacité de rebondir à trouver de nouvelles solutions en un temps record. Et on connaît les difficultés, non seulement en termes de technologie, mais aussi de résistance au changement bien propre à l'être humain. Le canton de Vaud, comme toute institution, pour atteindre un objectif politique et faire face à ces résistances au changement, ma foi, utilise les vieux outils de toujours, un peu la carotte et un peu le bâton. Des lois pour nous obliger à aller dans la bonne direction, hélas, oui, certains sont très récalcitrants, et aussi la récompense à ceux qui s'y engagent volontairement et de manière pionnière. Nous avons ainsi mis sur pied un programme de subventionnement de 100 millions. Ce programme de 100 millions est dévolu aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Nous l'avons lancé en 2012, il est toujours en cours, même si un bon nombre évidemment de ces dizaines de millions déjà bien engagés. Le programme constitue à la fois un soutien fort à l'environnement économique, mais aussi une amorce pour la transition énergétique. Pour que les idées d'aujourd'hui puissent servir d'outils demain, et soient réellement possibles d'être transcrits dans l'industrie, dans les entreprises, dans l'activité de tous les jours, il faut qu'on soutienne la recherche dans les solutions qui nous manquent. Par exemple, nous savons que parmi les énergies renouvelables, il y a l'éolien et le photovoltaïque. Prometteur, challenging du point de vue de l'acceptation aussi, surtout le photovoltaïque, mais il a peut-être surtout l'éolien, mais il a un peu de retard sur le photovoltaïque. Mais là aussi, comment est-ce qu'on le stocke? Comment est-ce qu'au moment où le vent a cessé de souffler, où le sol il se couche, peut-on utiliser cette énergie, comment la stocker pour la réutiliser à un moment où on en a le plus besoin? Là, on a la chance d'avoir sur notre territoire des hautes écoles, que ce soit les PFL, l'université ou des autres écoles spécialisées. Nous avons des projets qui, justement, ciblent cette faille-là, cette niche-là, qui est déterminante pour le développement de nos énergies renouvelables. Eh bien, dans le cadre de ce programme de 100 millions, nous cofinançons plusieurs projets de recherche. L'une des clés de réussite, c'est en effet le problème du stockage. Parlons-en quelques instants. We have therefore retained and co-financed two EPFL projects, which are especially promising. At least it seems to me. The first enables the storage of energy coming from renewable sources. J'en ai parlé aussi bien l'anglais que vous, madame, hélas, je l'utilise trop peu dans notre beau canton, in the form of compressed air. This would constitute an ecological and innovative solution to this major challenge. The second project, which brings together the researchers from the EPFL, Romand d'Energie and Le Clancher, is being developed by the solar park at the EPFL, inventor of a highly efficient industrial battery. The objective is to validate the technologies used to store solar energy on an industrial scale. Un autre projet, développé par la HEIGVD, que j'aurai prochainement l'occasion d'inaugurer avec ma collègue Anne-Catherine Lyon en charge de la formation, me paraît tout aussi assez récent, on aura l'occasion d'y revenir, c'est la torréfaction des pellets de bois. Venez vers le retournage de pierre. Eh bien non, mesdames et messieurs, c'est une utilisation différente du bois. Une fois séchés, ces fameux pellets prennent non seulement moins de place, ils se consument de manière plus efficace. Tous ces projets vont permettre des développements industriels prometteurs. Pour prendre un exemple, le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui réunit les chercheurs de l'EPFL, de la Romand d'Energie
et de le clencher autour d'un projet de batterie industrielle hautement performante a déjà entraîné des répercussions économiques considérables. Ainsi, l'entreprise Le Plancher a décroché une commande de 28 millions au Canada pour ce projet. Donc, une industrie qui va être boostée, un contrat qui va lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires et de créer de nouveaux emplois chez nous grâce à un nouveau créneau auquel il y a quelques années en arrière, probablement, il ne pensait même pas. Ces projets démontrent surtout que la recherche de solutions durables aux défis qui nous attendent, notamment dans le domaine de l'énergie, constitue un important levier de croissance et de compétitivité de nos entreprises. Et toutes celles et ceux qui ne cessent de me dire « oui, mais finalement, cette sortie du nucléaire, c'est une entrave, c'est une encouble, c'est un frein au développement », je leur dis « non, c'est bien le contraire ». Et nous avons la capacité dans ce canton, grâce à des intelligences vives comme les vôtres, grâce à nos entreprises et grâce à nos hautes écoles, de trouver des solutions à ces nouveaux défis et d'aller plus loin que nous l'avons été par le passé, un peu forcés par des décisions politiques et des catastrophes, il est vrai, mais nous sommes capables de trouver ces solutions. Parallèlement, évidemment, ces projets constituent, permettent de rendre les énergies renouvelables plus attractives, moins chères, donc également à augmenter leur attractivité et leur acceptation. Mesdames et messieurs, la volonté de la durabilité s'inscrit également dans la recherche d'alternatives à certaines ressources dont on ne connaît que trop bien le caractère durable. Vous savez que l'immense majorité des chauffages domestiques en Suisse sont encore alimentés au mazout. Or, à une poignée de kilomètres d'ici, à Vinzel, une société mise sur l'énergie du sous-sol pour chauffer à terme 1500 ménages. Il ne s'agit pas d'une fracturation hydraulique, je vous rassure tout de suite, mais d'une source d'énergie continue et inépuisable qui émet zéro émission de CO2. C'est une piste prometteuse, d'autant plus que les prospections restent envisagées que plusieurs régions du territoire vaudois pourraient recourir dans un avenir proche à la géothermie de manière raisonnable, respectueuse de l'environnement et durable. Un dernier aspect, rapidement, ladies and gentlemen, did you know that 30% of the canton Vaud is covered with forests? As well as being home to unrivaled biodiversity, the forests also constitute a practically unlimited reservoir of energy, as long, of course, as we manage them intelligently and sustainably. My department is currently working on the development of wood energy strategy. It appears that eventually wood could cover 30% of the canton's energy needs. So we need a mix of different sources of energy. Even though this resource, of course, is not new in itself, the way of exploiting its energy potential is decidedly innovative. Instead of the traditional pellet or wood shavings, current studies are highlighting the benefits of pyrolysis, you know, heat-induced degeneration and gasification. Wood transformed in this way into gas or heavy oil offers the same benefits as hydrocarbons, with this difference that the resource is eminently renewable and neutral from the point of view of CO2 emissions. Avec tous ces points que je viens de citer comme exemple, mon département applique le principe de durabilité comme déclencheur de l'innovation. Et en conclusion, l'anticipation doit être au cœur de notre action, que ce soit au niveau politique, au niveau économique ou encore académique, et les initiatives comme celle de ce soir y contribuent. Le canton de Vaud veut être un moteur, un facilitateur, un acteur de ces problématiques pour trouver des solutions durables pour les générations à venir. Et vous, avec nous montrer le chemin. Un grand merci, je me réjouis de vous écouter.